Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On commence eh bien, un nouveau live avec Resident Evil Remake 3, vous l'aurez compris. Troisième épisode, la menace Némésis. En tout cas, soyez les bienvenus sur ce live. Installez-vous confortablement comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre votre petit like, le petit commentaire. Le petit abonnement si vous avez envie de nous rejoindre. Vous êtes évidemment les bienvenus. On salue avant de commencer la rediffusion. Soyez les bienvenus également sur ce stream si vous débarquez. Donc installez-vous confortablement également. Et on va lancer le jeu tout de suite. Hier, petit live, hein, on a continué notre aventure sur ce jeu en compagnie de la communauté, de la modération évidemment, à qui on fait d'énormes bisous. Bon, il est temps, on va lancer le jeu. Let's go. C'est parti, on va se mettre sur la scène de live tranquillement. Allez, on y retourne. Bon, hier, on a quand même eu pas mal de galères, on va pas se mentir, avec le Némésis. Le Némésis hein, qui se fait de plus en plus présent. Et évidemment, à chaque fois hein, qu'on doit affronter ce personnage, eh bien, on a des petits soucis, hein, puisque celui-ci est en train d'évoluer, de muter. Et que ce soit avec Carlos ou que ce soit avec Jill, c'est jamais évident. Alors ce Resident Evil 3 est un peu particulier puisque c'est plus un jeu d'action qu'un Resident Evil, comme le premier ou le deuxième. Moins d'énigmes, plus d'action. C'est pas forcément pour me déplaire, je dois bien le reconnaître. Bon, allez, on va continuer. Alors, ça on s'en fout, tac, la campagne. Continuer et normalement on était revenu avec Jill puisque on avait réussi à lui administrer avec Carlos le vaccin et à résister à cette vague de zombies en protégeant et eh bien Jill et notre petit camarade. Donc on repart directement de l'hôpital et on va voir si ça va bien se goupiller. On doit sortir de la ville. Alors pistolet. Ah, on a un nouveau pistolet. Ok. Alors par contre, qu'est-ce qu'il va prendre? Il prend du 9 mm, capacité 33 coups. D'accord. Je pense que c'est pas un mal. Bon, c'est vrai que ce qui fait chier, c'est que est-ce que par contre, on peut... Non, on peut pas déséquiper. C'est un peu emmerdant. C'est pas grave. C'est pas grave, puisque on avait déjà amélioré notre revolver. Donc on va prendre celui-ci. Voyons voir ce que ça donne. Bon, il a une capacité plus haute, ok. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Alors, par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que si on doit être amené à fouiller l'hôpital, les hunters ont fait leur grand retour. Et les hunters, ils rigolent zéro, ils ont pas le temps, ils ont pas le temps. Ils représentent une véritable menace. Donc ça va être fusil à pompe. Par contre, on va regarder ce qu'on a comme munitions. Ok, on a 26 cartouches. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On verra comment ça se goupille. Allez, c'est parti, on doit retrouver Carlos qui lui essaye de trouver des solutions. Moi j'ai fait que dalle. Bon, merci Carlos. T'as porté jusqu'ici et t'as soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Il y a peut-être encore un espoir pour la ville. Donc notre interlocuteur, pareil, hein, n'est pas très très bien. Il a été mordu à l'épaule. Et carte. Il commence à être un petit peu pâle quand même. J'ai contacté quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. On est tous des pros. Trouver l'installation souterraine. L'entrepôt se trouve sous nos pieds, en dessous de cet hôpital. Bon, par contre, c'est vrai, ce qui est un petit peu chiant, c'est que... Attends-toi. Ok. On va regarder s'il reste pas des munitions ou d'autres items. Puisque ici, hein, pendant l'affrontement contre les zombies, il y avait énormément de munitions. Les caisses sont là pour le prouver. Et c'est vrai que... bon, c'était pas négligeable. C'était pas négligeable.
On aurait peut-être pu essayer d'en économiser un peu. Mais bon, on va pas se mentir, les hunters sont venus se rajouter à la fête. Et bon, c'était pas dingue non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? La poudre noire. Putain, par contre, on a clairement pas assez d'emplacement. On essaiera de récupérer tout ça par la suite. En espérant qu'on puisse trouver eh bien, une sacoche supplémentaire pour Jill. Bon, normalement, les zombies qui sont là sont censés être morts. Puisqu'on est passé avec notre petit camarade Carlos, qui a fait littéralement le ménage dans l'hôpital. Je vois pas tout de suite d'objets qui pourraient nous servir. Tout ce que j'espère, c'est que les hunters ne sont plus là. Eux représentent une vraie menace. Donc il va falloir être extrêmement prudent. On va regarder aussi le plan, puisqu'il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir récupérer. Voilà, cadenas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la boîte à munitions, c'est de là d'où on vient. La poudre noire, ok. La cour, pareil, on a quelque chose à récupérer. Mais apparemment, d'après notre ami Sagittaire, ce serait, je pense, avec Jill, qu'on pourrait potentiellement récupérer tout ça. Alors, qu'est-ce que on va avoir là-dedans? Munitions pour le mag. D'accord. Bon, on sait qu'on aura des munitions ici. Peut-être que ce fameux objet, c'est peut-être justement le magnum. Donc pour l'instant, on va essayer de tourner au fusil à pompe, en espérant que ça se passe bien. Donc il faudra récupérer absolument cette caisse qui est là. Et l'hôpital hein, a et possède une ambiance très particulière. Je vais quand même, au cas où, prendre le pompe. On sait jamais ce qui nous attend au détour d'un couloir, surtout sur Resident Evil. Et croyez-moi, l'hôpital regorge de secrets et de problèmes. Alors, ok, la porte est là. J'entends comme des bruits de verre. Comme si quelqu'un marchait sur du verre. C'est peut-être nous. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit des débris de verre. Alors ici, c'est là qu'on a récupéré le vaccin. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut récupérer pour Jill, peut-être. Là, dans l'immédiat, je n'en vois pas. Barnes. Ça, c'est l'œuvre de Nikolai. D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a entendu un bruit. Explosif, putain, ouais, il nous faut absolument une autre sacoche. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est une vraie galère. C'est une vraie galère de ne pas avoir ne serait-ce qu'une sacoche supplémentaire, quelques emplacements supplémentaires. C'est une vraie galère. Je crois qu'on peut... Non, on peut pas utiliser le PC une nouvelle fois. Voilà, ici c'était là où il y avait le vaccin. Il n'y a rien d'autre, on n'a pas le choix, on doit se tirer. On doit se tirer. Alors que... J'ai l'impression qu'il se passe des choses. Ah! Ok, 4 cartouches pour un hunter. Ça promet. Ok, là il y a... Ah! Dites-moi qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant. Allez, une sacoche, quelque chose qui puisse nous servir. Oh là 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 là. On est plein de chez plein. C'est une catastrophe. Ok, la salle du labo.
Donc ça c'est la fameuse salle d'opération. Je pense qu'on n'aura pas grand chose à récupérer. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que on ne sera pas obligé de revenir dans ces pièces-là, donc on va pouvoir rusher un peu. Tout en faisant gaffe. Puisque les hunters hein, sont très présents. Et clairement, ils n'ont pas le temps. Ok. Donc cette valise, cette fameuse valise de l'autre côté, il va falloir trouver le moyen d'y aller. Donc je pense que pour y aller, voilà, ça va être par là. Donc ce sera cette fenêtre là-bas. Ok. Il va falloir monter. Et on n'a pas trop le choix que de repasser de l'autre côté. Allez, on y va. Donc on a l'escalier là-bas. Le petit nounours bien creepy. Le fameux zombie hein, qui a été littéralement balancé dans les escaliers par un hunter, puisque les hunters hein, ils ont pas de patrie hein, ils s'en battent les steaks. Eux ils attaquent ce qu'il y a devant eux, ils vont pas chercher à comprendre midi à 14h. Alors on va avoir le toit. Qu'est-ce que... D'accord. D'accord, on sait qu'il y a Hunter de l'autre côté. On sait qu'on va avoir de la compagnie. En espérant que il s'amuse pas. Attends. Qu'il s'amuse pas à venir sur les toits. Bon, on sait qu'on va devoir s'en coltiner. Hein. On le sait. On l'entend d'ailleurs. Allez, on marche tranquille. Il doit être dans le coin, là. Il doit être dans le coin. À mon avis, il est là. On avance tranquille. Il est là. Il est là. Trois cartouches à bout portant. Trois cartouches à bout portant. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Le problème, c'est qu'on voit pas. Je vois pas la mallette en bas. Donc, à mon avis, c'est pas celle-ci. Ça a pas l'air d'être ça non plus. Je pense que ça va être peut-être de l'autre côté là. Ok, on peut passer que par là de toute façon. À mon avis, ouais, c'est ce côté là. Donc je pense que c'est soit par là. On va aller voir déjà ce qu'on peut récupérer. Là, c'est la scène de save room. Ok. On va voir si on peut pas déposer certaines choses. Déjà, est-ce qu'on peut combiner? Voilà, ça nous libère une place. Ok. C'est galère de pas avoir de place. Va falloir se débrouiller. Va falloir se débrouiller en attendant. Allez. La fameuse salle des hunters. Ah, on a un zonzon qui est là. Ah. Ça par contre, c'était pas prévu au programme.
Et ça au moins c'est fait. Par contre j'ai pas mon couteau donc c'est emmerdant. Ok, y a rien. Est-ce que toi t'es vraiment morte? Apparemment. Toi, est-ce que tu fais semblant toi? Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ok, normalement c'est bon. Il reste encore quelques zonzons. On va faire gaffe. On sait que c'est des petits filous. Mais par exemple avec Carlos, on n'avait pas eu ce problème là. Ils étaient vraiment morts, puisque les hunters les avaient littéralement ravagés. On a pu voir hein, d'ailleurs dans avec les fusils à pompe, ça c'est bon, ça se stocke bien. Toi normalement t'es crevé. Allez, on va voir par là. Ok, ça c'était le... Ah ! Putain ! Enfoiré ! Oh là là, je suis... Voilà, tu fraîchais personne. Allez, dégage. On a eu ce jumpscare hier. On arrive dans cette salle et on se dit... J'espère qu'il va pas y avoir de zombies dans le placard. On ouvre le placard, qu'est-ce qu'il y a? Un zombie. Tout va bien. D'accord, bon, là pour le coup, on n'a rien à récupérer. De plus. Donc on passe à autre chose. Et souvenez-vous, hein, quand on est sorti ici avec Carlos, on a eu la fameuse cinématique des Hunters, qui était juste incroyable. Donc peut-être... Ah bah ouais, mais on peut pas passer par là. Ah bah, ah! Claire, enfin, Jill peut passer. Alors que... Bah Carlos, lui, ne pouvait pas passer. Alors, est-ce que c'est dû à son physique beaucoup plus imposant? Oh, c'est creepy. C'est creepy. Allez. Dis-moi que la caisse est là. Oui! D'accord, il y a un cadavre. Ok. Parfait pour coller des migraines. Ah bah là, pour le coup, arsenal ambulant. Le petit au fait qui fait plaisir. Qu'est-ce que... D'accord, c'est une lumière. Ok. Je pense que ça calmera assez facilement les hunters. Mais on va faire en sorte quand même d'économiser un peu ça. Mais il faut qu'on arrive à trouver... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des munitions pour le magnum, des grenades explosives. Il va falloir aller... il va falloir récupérer ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Des explosifs. De la poudre noire. Ok. Je pense qu'on peut essayer de rusher un petit peu ça pour aller récupérer tous les items. Au moins, ce sera fait. Normalement, on n'est plus censé avoir de problème. La fameuse salle, là on y est passé. On n'aura rien d'autre à récupérer. Normalement c'est safe. Non, c'est par là. On va essayer de retourner voir notre petit camarade. D'accord, allez on y va. Et essayer de récupérer tout ce qu'on peut. Parce qu'on a l'occasion d'avoir des munitions et surtout une puissance de feu qui est... Deux cartouches à bout portant, ça marche. Mais il faut vraiment, vraiment pas louper votre coup. C'est-à-dire que faites en sorte hein, d'avoir toujours des munitions et votre fusil chargé. Parce qu'on a pu voir hier avec... Chris. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je veux l'appeler Chris. On a pu voir hier qu'avec Carlos, ça peut déraper en un seul coup.
Ah! D'accord, donc là j'imagine que ça va être ici qu'on va pouvoir descendre. Donc là, la poudre noire, mais je crois qu'on n'a plus de place. Il va falloir faire de la place. Il va falloir faire de la place. Lui, il est toujours là. Il vit sa meilleure vie. Ok, allez. Je vais déposer ça le temps de faire l'aller-retour. Et je me dis que... je me dis que ça peut faire le taf. Ok, 1, 2, 3. On a 4 emplacements. Faire la map. On a la poudre noire. 1, 2, 3, 4. Ok. On va aller récupérer ça vite fait. On va faire une petite sauvegarde. Alors oui, je sais, hein, les sauvegardes comptent pour la note finale. Mais nous, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. Allez, hop, on y retourne. Allez, premier objet, la poudre noire. On redescendra évidemment par la suite. Alors, ensuite on avait dit les balles, elles sont là. Ok, le mag, c'est bon. Ensuite, il va falloir monter. Ok. Ouais. On va pas faire la même erreur que dans Resident Evil 1 Remake où justement on avait laisser dans le commissariat des choses derrière nous et on n'avait pas pu y revenir. Et honnêtement, frustration. Frustration parce que on avait laissé des soins, notamment. Normalement, il y a quelque chose ici. Oui, c'est là. Voilà. Hop. Explosif. Alors, normalement, ça ne se combine pas. Non, ça ne se combine pas. Ok. Allez, on trace. On perd pas de temps. Mais l'ambiance de ce Resident Evil est vraiment cool. Je vous conseille, hein, et je vous recommande de le faire avec un casque. Ah, qu'est-ce que j'ai loupé là? Je me suis trompé de salle. Il n'y a rien ici. Ah oui, le placard. Voilà, les grenades instant, enfin des grenades. Tac, ok. Bah on a tout récupéré. On va regarder le deuxième étage. Deuxième étage, la buanderie. On a un cadenas. On va y aller. On va y aller. Et c'est... normalement, je crois que c'est par là. Ouais, c'est par là. C'est par là. Moins indigeste aussi, je trouve, les phases d'exploration. Non, l'escalier était derrière moi, je fais de la merde. Nettement moins indigeste. On va voir. Je me serais trompé. Bon, après c'est pas grave. Hop. Normalement là. Ah, voilà. Je savais bien qu'il y avait l'escalier. Allez, on va au deuxième étage. Et normalement, ici, donc on a les toits. Donc ça va être de l'autre côté de l'admission. Ça va être de l'autre côté. Donc il faut passer par le toit pour sortir de l'autre côté. Mais je passe pas une mauvaise expérience. C'est vrai que les gens n'ont pas été spécialement tendres avec ce Resident Evil 3. Parce que bah, forcément ce remake a eu des scènes qui ont été cutées, voire supprimées. Mais moi je passe un bon moment.
Je passe un bon moment, je l'admets. C'est vrai qu'on est loin des souvenirs que j'avais sur le jeu. Alors, il y avait un casier. Il est où ce compte casier? Ah, le voilà. J'espère que c'est quelque chose qui peut se stocker. Balle pour le mag. Nickel. Hop. Donc la buanderie, machin, nanana. Il n'y a rien d'autre. Donc normalement, on est bon. Salle de soins. Pourquoi on n'est pas rentré là-dedans avec elle, peut-être. Voilà, la fameuse pièce où Carnage. On s'est retrouvé nez à nez avec deux hunters, mais particulièrement énervés. Hein. Particulièrement énervés. Dont un qui s'en est pris à la dépouille d'un zombie. Bah, lui, là, voilà. Hein. Lui, il a pris tarif. Hein. Il a vraiment pris tarif. Donc, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien. On peut se tirer. Jusque-là, j'ai envie de dire tout va bien. Poste des infirmières, les chambres, normalement on peut repartir. On peut repartir et aller au sous-sol. On a récupéré ce qu'on avait récupéré. Ah, cette grande pièce hein, où avec Carlos on a pris tout notre temps pour la traverser de peur que. Vraiment? Allez, bisous. Casse-toi, s'il te plaît. J'embrasse jamais au premier rencard. Est-ce que ici. Ok, c'est le poste des infirmières. Donc, normalement, on peut récupérer par là en allant. Par là, il faut qu'on fasse le tour, d'accord. Ah non, on n'est peut-être pas obligé de faire le tour. On peut peut-être sortir par cette pièce-là. Voilà, ok, là-bas, par là. Allez, si on a des zombies, on les laisse tranquilles. Puisque on n'est pas obligé de les dézinguer. Donc, est-ce que je peux passer par en dessous par ici? Est-ce que c'est là que je peux passer par en dessous? Non. Après, je peux peut-être passer par là aussi, hein, ça ira plus vite. Hein. Allez, hop. Le chemin le plus court est souvent le plus rapide. On ressort par là. Hop, voilà. Et on reprend normalement par ici. Ok, donc là, normalement, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Ok. Allez, y'a plus qu'à. Les fameux escaliers. On repart par là. On n'est pas loin de l'accueil. Là, c'est la salle du docteur. Et normalement, au bout du couloir. Voilà, c'est ça. C'est au bout du couloir. Voilà. Allez, on trace. Là, on va pouvoir descendre, mais on va aller faire une petite save quand même avant. Et on va aller récupérer les choses les plus importantes, voir aussi si on peut se faire un petit peu de place dans notre équipement. Alors, hop, on dépose, hop, on dépose. J'ai envie de dire le Magnum, on va se garder pour plus tard. On va le garder pour plus tard. Donc, hop, ça on prend, ça on prend. Voilà, comme ça. Oui, on voit tout de suite l'ancien joueur de Minecraft. Forcément. Tac. Tac. On dépose. Alors. On a des grenades explosives. Grenades explosives. Munitions pour le mag. Le mag. Explosif B, poudre noire, plante verte, incendiaire,
machin, pistolet, mélange, spray. Je n'ai jamais eu autant de soins que sur ce Resident Evil là. Vraiment. Poudre noire. Tac. Poudre noire. On combine. Voilà. On combine. Voilà. Alors ça, apparemment, on n'en a plus besoin vu qu'on a une petite poubelle à côté. Donc bah, on va s'en débarrasser. Ça nous fait un slot de plus. Et au cas où, je dis bien au cas où, on va se prendre un soin. On va se prendre un soin avec nous. Voilà. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Donc hop, petite sauvegarde. Je sauvegarde à chaque fois sur le même personnage. J'ai plusieurs sauvegardes. Hein. Ne faites jamais une seule et même sauvegarde unique. Hein. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir les replays qu'on a fait sur le remake, hein, sur le premier, ou grosse boulette dès le début du jeu. Allez. Donc cette fois, on sait où on doit aller. Let's go. Qu'est-ce qui va nous attendre? C'est une bonne question. Y a-t-il des choses à... D'accord, c'est barricadé de ouf. L'ambiance de l'hôpital est vraiment cool. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. J'entends des bruits assez étranges. J'avance avec le fusil à pompe à la main. Ok, on sait jamais sur quoi on peut tomber. D'accord, donc il n'y a rien. Je pense que c'est une salle de transition. J'aurais pu prendre mon couteau. Hop. Et on se rend compte très rapidement que l'inventaire prend vraiment une place importante dans tous les Resident Evil. Je trouve celui-ci moins indigeste quand même. Maintenant, c'est vrai que on n'a pas eu autant de chance avec, avec Jill. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si vous, vous avez eu plus de slots avec Jill ou si c'est normal qu'on ait plus de slots avec Carlos qu'avec Jill. C'est toujours un peu bizarre, je trouve, qu'il y ait toujours un personnage qui ait la possibilité de porter plus de choses qu'un autre. Elle observe bien. Hein. Ok, explosif. Donc quelque chose me dit que si on a beaucoup de choses pour faire des explosifs, notamment avec les grenades, il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. Je sais pas sur quoi on va tomber. Hein. Pour l'instant, on n'a pas spécialement eu de problème ou d'ennemis qui nous auraient potentiellement posé des problèmes. Il a fallu évidemment faire quelques fights où malheureusement on y a laissé notre peau, mais pas plus que ça en fait. Pas plus que ça. Allez, on regarde partout. Toujours même dans un angle. Allez. Et c'était très très sympa aussi de retourner dans le commissariat. Il y a beaucoup d'espace quand même là. C'est... Pas genre un hunter qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Non. Ok. Ok, allez, on y va. Ouh, c'est grand. Comment ça se fait que personne à l'hôpital n'ait remarqué tout ça? Bah si en même temps les accès étaient limités, j'ai envie de te dire que bon, c'est un petit peu normal aussi. Pourquoi il y a... D'accord, donc il y aura un escalier. Je pense que ce sera pour sortir d'ici certainement.
Toujours bien regardé partout. Hein. C'est un peu le truc des Resident Evil, ça. Ah, on a une, je crois qu'on a une plante là-bas. On a une plante. Allez, hop. Ça, c'est ok. Ça, c'est cadeau. Pas non plus spécialement... ils sont pas avares sur les munitions, ni sur les soins. Surtout avec Carlos. Avec Carlos, c'est littéralement... j'ai envie de dire... Byzance. Pas de problème. Ça passe tout seul. Ok. Bon, allez, hop. Petite échelle aurait suffi, hein, les gens. Hein. Si c'était juste pour faire ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est une armoire? C'est non, d'accord. On peut pas, non, pas pousser ça. Faut pas exagérer non plus. Y a pas un schéma, y a pas un plan là? Non. Levier, d'accord. On a rien laissé derrière nous. Ok. La petite musique qui a cruellement manqué dans le commissariat, bizarrement. Le thème du commissariat n'était pas présent et je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu dommage quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire? Normalement, on avait... Voilà, hop, ça on va récupérer. Ça on va récupérer. Voilà. Hop, combiné. Voilà. Hop. Combiné. Et déposer. On va déposer aussi. On va essayer de la jouer comme ça pour l'instant. Ah bah voilà. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait danser des rats, ça. Qu'est-ce que... C'est une porte? D'accord, c'est fermé. J'imagine que ça doit être peut-être l'escalier. Alors, moi c'est la note qui m'intéresse. Note relative à l'ascenseur. À tous les employés, nous avons constaté que l'utilisation simultanée de plusieurs machines lourdes depuis la salle de contrôle provoque une surcharge au niveau de l'alimentation principale et fait sauter les fusibles. Si vous rencontrez ce problème, vous êtes dans l'incapacité d'activer l'ascenseur. Pas de panique, prenez les fusibles des générateurs secondaires situés dans l'entrepôt et utilisez-les pour rétablir l'alimentation principale au plus vite. Génial. Bon, c'est pas en soi. Bonnie, hello tout le monde. Ika, je te mets son à fond pendant que je travaille. J'espère que ça te conviendra. Mais bienvenue à toi, bienvenue à toi. Bon courage évidemment, Bonnie, pour le boulot. Un plaisir de te voir débarquer sur le live. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat, évidemment. Même si vous êtes nouvelle ou nouveau, vous êtes les bienvenus. Plus on est de fous, plus on rit. Et ça fait évidemment toujours plaisir. Voilà. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir, Bonnie. Merci à toi. Bon courage pour le taf, hein, vraiment. Alors, on regarde. Donc, on va pouvoir, au cas où, hein, au cas où, voilà, prendre le lance-patate. On a... je crois que c'est des grenades explosives. On va regarder ce qu'on a en munitions là-dedans. Alors, normalement, c'est des mines. Voilà, tac. On met les explosifs. Et les mines, on les garde précieusement. Voilà, ça, on les garde précieusement. On les dépose et à la limite, on prend... alors, grenade acide, mine, incendiaire... On va la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Je me dis que on a quand même un arsenal sur nous, bon, qui est pas négligeable. Hein. Donc, ça devrait le faire. À votre santé, évidemment. C'est du café, hein, je vous rassure. Ouais, je me suis fait une petite réserve de café. Voilà, histoire de. Ah, c'est grand quand même. C'est grand quand même. C'est un zombie là-bas ou... Non. C'est un piège. C'est un fucking piège. L'autre là-bas est un tordu. Alors avant de... J'aimerais bien checker, voir si on voit des choses. Ok, il y a...
Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sens le truc où il va falloir courir dans tous les sens. Ok, il y a l'autre zinzin là-bas. Explosif A. Donc on a remarqué donc que ce personnage était un traître et qu'il n'a pas hésité à essayer de nous zigouiller, nous, mais aussi en même temps les propres membres de son équipe. Donc par contre je crois qu'on n'a pas trop le choix, on est obligé de descendre par là, je pense que ça va activer une cinématique. Pas du tout, d'accord, je pensais. Alors on va faire le tour du coup de l'endroit, si on peut, si on a le temps, si on va pas se faire poutrer direct sans crier gare. Il y a une caisse là, c'est quoi? Non, on peut pas l'ouvrir, d'accord. Ok. Bon, les gars, faites pas comme si vous étiez mort, vous ne l'êtes pas, hein? Faites semblant, tout le monde le sait. Ok, on va pouvoir activer ça. Donc on peut pas passer de l'autre côté. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être un truc à activer. Ça, c'est gros comme une maison. Donc on est coincé. On peut pas. Est-ce qu'on peut escalader ça? Non. D'accord. L'avantage qui est bien, c'est que sur ce Resident Evil, une fois maîtrisé, on peut faire des esquives. Alors, avec plus. Voilà, là on a une esquive courte sur le côté par exemple, mais on peut avoir des esquives un peu plus longues. Voilà. Bien dosées évidemment. Et avec Carlos, on met littéralement des patates. Mais des patates de fort, hein, hein. C'est-à-dire que peu importe l'ennemi qu'on a en face, sauf le Némésis. Et quoique, on peut repousser. Putain de merde! Oui, de temps en temps, je regarde mon BPM, hein, parce que j'avoue que Resident Evil a tendance à me faire un peu avoir des bonnes grosses pulsations bien énervées. Bon, alors peut-être ça. Eh ben voyons. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Ah oui! Ah oui, cette petite saloperie là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, j'espère que t'es bien mort en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ça va nous emmener de l'autre côté. 4 cartouches de fusil à pompe. Ce truc-là, là, cette espèce de... Je sais même pas comment appeler ce truc-là. Est plus résistant qu'un Hunter. Mais c'est une blague, j'espère. Parce que là, le stock de cartouches, il va y passer, là. Donc ça va nous faire monter, j'imagine. Voilà. D'accord, donc j'imagine que ça doit être l'armoire à fusibles. Ça n'augure rien de bon. Plus on a de munitions. On l'a vu avec Carlos, hein. On l'a vu avec Carlos. Il y a eu un moment, on est rentré dans une salle, il y avait tellement de munitions qu'on aurait pu faire la guerre à nous tout seuls. Eh ben, c'était pas anodin. Fusible. D'accord.
réalimenter l'ascenseur. Ouh là 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 là. Un endroit sombre et obscur. Ça pue. Bon, déjà, il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait quelque chose là-dedans. Ok, il y a des balles. Ce qu'il y a, c'est que Resident Evil vous emmène toujours en fait à vous demander comment vous allez. Comment vous allez appréhender le jeu? Ils sont sortis de nulle part. Mais une cartouche de mort. C'est plutôt. Au ratio, c'est plutôt pas mal. Donc il va falloir se méfier. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ce qui est bien avec le pompe, justement, c'est que. À bout portant, c'est assez efficace. Pour potentiellement tuer plusieurs ennemis en une seule fois. Oh, que j'aime pas ça, j'entends des bruits là. J'entends des bruits qui ne me rassurent absolument pas. D'accord, on a une plateforme ici. Est-ce qu'on a une commande pour la plateforme? Non, il n'y a pas de commande pour cette plateforme. Alors pourquoi? Bonne question. Il y a un truc qui va sortir. Il y a un truc qui va sortir de ce machin, c'est obligé. Non? Alors qui c'est qui s'amuse à me balancer des trucs aussi? Putain, j'espère que c'est pas le Némésis. Docteur, j'ai une question. Voilà, merci. Mais non, peut-être pas, mais non. Tu vas pouvoir... Oh là 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 là. Vous le sentez le délire là? On va passer, il va se passer un truc. Il va se passer un truc, c'est obligé. On va avoir droit à un jumpscare ou une connerie dans ce genre. Même pas. Même pas. Je pensais, honnêtement je pensais. Bon, c'est pas fini, c'est pas fini. On reste sur nos gardes. Et vraiment, je vous recommande vivement de le faire si vous avez la possibilité donc, de faire le jeu. Parce que le jeu vous propose hein, de pouvoir... Ok. De pouvoir faire le jeu avec l'option du son en 3D. C'est une expérience à faire, c'est vraiment une expérience à faire. Je trouve que ça apporte un vrai plus au jeu. Ah, attendez. Attendez. Hop. Donc ça, on va le monter. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des petites cartouches de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on peut passer? Peut-être que oui. Oui, voilà. Nickel. Et là, je regarde toujours au plafond s'il n'y a pas une connerie qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Ok, on a des balles. D'accord, c'est tout.
D'accord, et on a aussi une commande ici, donc on n'est pas obligé de redescendre à chaque fois. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Ah, on peut aussi aller par là. On va peut-être commencer par prendre la porte qui est là pour voir. Hein? Ah! Et le comité d'accueil. Allez, viens. Ah! C'est un problème, ça. Est-ce que vous allez réussir à ouvrir la porte? Je crois pas, hein. Je crois qu'ils sont pas assez malins pour ça. Attends, c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce qu'il nous a fait lui là? Ah non, 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 fallait pas se jeter sur lui. Fallait faire une esquive, chérie. Quoi, 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 quoi? Mais il est toujours pas mort ce con. Bon, là normalement tu te relèves pas. Hein. Pardon? C'est bon cette... Eh bah! Eh bah dis donc, voilà, pour être, pour éviter d'être mal poli. Ah ouais, il nous a mis très très mal! Alors, on regarde s'il y a des objets. Je crois qu'ils vont nous poser des problèmes, hein, ceux-là. Hein. En plus, note d'un employé. 12 septembre, admis au N2. Homme de 45 ans, femme de 32 ans, éliminé. Homme de 60 ans, femme de 89 ans. D'accord. 15 septembre, admis N2. Homme de 55 ans et 19 ans, femme de 51 ans, éliminé. Femme de 76 ans. Renvoyé, fille de 8 ans, non infectée. Qu'est-ce que... 22 septembre, admis au N2. Homme de 25... 22 et 15 ans, femme de 16, 21 et 29 ans. Éliminé 6 spécimens masculins, 9 spécimens féminins. Tendance à la hausse de ces derniers jours. Tout spécimen au-delà de 30 ans est préventivement éliminé. 24 septembre. Transfert de nuit remarqué par une infirmière. Les admissions au sous-sol sont temporairement suspendues. Qu'est-ce qui branle? C'est ça qu'ils sont en train de bidouiller en bas là? Donc, Umbrella, hein, toujours évidemment fidèles à eux-mêmes, font toujours des expériences bien, bien énervées. Hein. Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, on va remonter. Ah. Non, j'avais cru voir un truc sur le... Ok. Ok, on a une petite salle save. La save room. Ah bon, on est revenu. D'accord, ok, ça c'est la porte. D'accord, 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 d'accord. Alors. Levier, levier. Fusible. D'accord, il faut aller foutre le fusible. Levier monte charge, levier monte charge. Boîte à fusible. Donc d'accord, il faut prendre le fusible pour le ramener jusque là, je pense. Ok. Bon,
Jusque-là, j'ai envie de dire, ça glisse plus ou moins tout seul. Même si, tiens, par curiosité, est-ce qu'on a documents? Alors, documents, note des employés, documents, hôpital, commissariat, priorité de Raccoon City, centre-ville, immeuble. D'accord, on n'a pas de. D'accord, il n'y a pas de bestiaire. J'imagine que ça doit être sur le menu du lancement de jeu. On va faire une petite, on va faire une petite save au cas où. Voilà. Voilà, on va déposer 2-3 conneries. Hop. Donc, on va se débarrasser de ça. On dépose. Ça, est-ce que. Je vais prendre ça avec moi au cas où. Je dis bien au cas où. Explosif A. D'accord. Ok. Alors. Nous on est là, si on va là. Donc il faudrait qu'on. D'accord, on va voir un petit peu comment ça se goupille. Hop. Donc si on va par là. Ça nous fait descendre, j'imagine. Ah, attends, oui. Hop, on peut passer par là. Il n'y a rien là-dessus, non, il n'y a rien. Ah, ça va servir à quoi ça? Est-ce qu'il y a une échelle? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, est-ce qu'on peut sauter? Non plus. Est-ce que... d'aller là où on voulait. Il y a quelque chose là-bas. Là. Poudre supérieure. Mais encore. Quoi? Ok. C'est là que tu veux nous emmener. Je. C'est. Il y a un truc là-dedans. Il y a un truc là-dedans. Il y a un tire-palette. Est-ce qu'on prend le tire-palette pour se sauver? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va reculer, je suis sûr que ça va se casser la gueule. Il y a quelque chose de gros là-dedans. Peut-être au-dessus de nous. Je regarde s'il n'y a pas des choses qu'on peut récupérer. J'en profite. Tant qu'on n'est pas dans le mal. Bon, ça. Wow. Ah! Ah! Bah, c'est beaucoup moins drôle d'un coup. Heureusement que j'ai pris le lance-patate. Heureusement. Parce que là, on était dans la merde. On était dans la merde, mais jusqu'au cou, là. Bon, normalement, vous êtes tous cramés. Quand vous êtes cramés, normalement, ça se relève pas. Hein? On est mignon, on fait dodo. Voilà. Ah, peut-être quelque chose aussi là-dedans. Ah.
Bah voilà. On a une maxi. Ça m'a toujours fait rigoler, en fait, de voir le skin qu'ils ont fait pour ça. Alors, attendez, on va faire examiner. Ça m'a toujours fait rire. Je me suis toujours dit, les gars, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Allez. Hop, on est bien. Je garde toujours le fusil à pompe avec moi. Parce que j'ai envie de dire que maintenant, le pistolet, même si. Alors, fusible. Fusible 1. Ah, d'accord. Alors, poudre supérieure, poudre noire. Balle de magnum. J'aurais dû faire l'inverse en fait. Ah! C'est pas un peu dommage ça déjà? Donc. Il faut aller maintenant. Il faut aller maintenant. Alors, levier de monte-charge. Là, à la boîte à fusibles. D'accord. Il faut retourner là-bas. Est-ce qu'on peut mettre un. Non, on peut pas mettre un marqueur. D'accord. Bon, ça risque. Je pense que le voyage de retour va être mouvementé. Je ne sais pas pourquoi. Une intuition comme ça. Petite intuition. Nous, il faut qu'on retourne là-bas. On peut pas descendre, non? Bah non, ça aurait été trop simple. Ça aurait été beaucoup trop simple. Donc on repasse par là. Je crois qu'on peut descendre directement. On peut descendre directement. Bah tiens. Normalement on peut passer là. Voilà. Alors je sais pas du coup si je prends le chemin le plus court. On verra bien. Ah oui, c'est des docteurs question. Qu'est-ce que ceci? D'accord. Ah oui, c'est la lampe en fait qui éclaire le. D'accord, c'est car design. Toi, tu fais dodo, hein, tu fais pas le con. Donc, hop. On a l'échelle là-bas. Les toutous. Donc en étant là, d'accord. Levier de monte charge. Alors il y avait ça. Donc, normalement ça, on descend. C'est ça, on descend. Et normalement, fais pas le con, toi t'es censé être mort. Hein. Si tu te relèves, c'est de la triche. Et normalement, en remontant par là, on a accès. Ben non. Attends, où je me suis viandé là? Que ce soit ça. Ah bah. Ah! Alors.
Attends, j'ai pas fait une fausse manip là? J'ai pas fait un truc genre jeter? J'ai pas fait cette connerie quand même? Est-ce que j'aurais pas fait cette connerie? Boîte à fusil. J'ai pas fait ça quand même. Quelqu'un peut me dire si j'ai fait cette connerie? S'il vous plaît. Si j'ai jeté le fusil? J'ai quand même pas fait ça. Non, parce que le premier truc c'est équipé. Donc mais il me semble que j'avais deux fusibles avec moi là. Avec celui qu'il y avait dans le boîtier, ça en faisait trois. Pourquoi il m'en manque un? Ah non, non, il est posé. Non. Non, il est posé, d'accord. C'est qu'il m'en manque un, il faut que je trouve le dernier fusible. J'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. Donc, levier de monte charge, levier de monte charge, levier de monte charge. D'accord, il faut, faut fouiller. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Exploration terminée, exploration en cours. D'accord, j'aurais peut-être loupé quelque chose donc. C'est scripté et ils veulent absolument qu'on retourne explorer cet endroit lugubre. Là on peut pas passer donc on est obligé de baisser le truc. Là c'est pareil, ok. Bon, moi je veux bien y retourner, ok, alors, pas de soucis. Une fois qu'on est là-dessus, on ne peut que monter. D'accord. Il y a peut-être un endroit où on n'a pas été, hein. C'est pas improbable non plus. Donc on a récupéré le premier fusible ici. Ok. L'autre là, il était dans sa pièce, dans sa tour d'ivoire là, l'autre zinzin là. Donc on monte avec ce truc là. On n'a pas 150 possibilités. Ça c'est le contacteur. Ok, donc on redescend. Voilà, on redescend. Pas de manger, il y avait les deux toutous. Peut-être qu'on n'a pas vu un objet, hein. C'est pas la première fois hein, qu'on passe à côté d'un objet sans le voir. Excusez-moi, j'allais pas vous péter les oreilles non plus en éternuant. Hein. Donc, on regarde bien partout. On a peut-être loupé quelque chose. On a peut-être loupé un objet. Un reflet de
Docteur, non, on peut pas looter sur les zombies. On peut pas looter sur les zombies, donc. Il doit être à un endroit bien spécifique. Peut-être un endroit qu'on n'a pas exploré. Attends. Ça, normalement, ça nous envoie. Ça nous ramène à la salle de sauvegarde, je crois. Non. Alors, peut-être que c'est ici que j'ai loupé quelque chose. D'accord. Parce que la porte en face est la salle de sauvegarde, c'est sûr. Ou est-ce que par erreur, j'aurais posé le peut-être un fusible dans le. Dans le coffre ? J'aurais fait ça ? Coup de boulon, couteau de survie, machin, hein, crochetage. D'ailleurs, j'en profitais, hop, pour faire déposer. Voilà. Spray, pistolet, grenade incendiaire, le magnum, les balles pour le magnum, le crochetage on n'en a plus besoin. Le mélange de plantes, grenade incendiaire, les mines, plantes rouges, explosifs. D'accord. Donc il reste un truc à trouver. Peut-être en revenant sur nos pas. Non, parce que là on était obligé de descendre. Ah, l'autre déjà n'est plus là. À mon avis, il va nous attendre quelque part. Il va nous attendre quelque part, le petit figou. Donc, pas la peine. On va essayer, hein, on va essayer. Fais péter le plan. Donc, ça, c'est ce qu'on a exploré. Ah, il y a quelque chose qu'on n'a pas exploré, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est parce qu'on peut pas passer? Donc, ce serait là. Pas impossible, on sait jamais. On sait jamais, hein. Mais il me semble que c'est là. Non, on n'a pas accès à ce truc-là. C'est la salle des hangars, donc on peut pas. C'est de là en fait où on est arrivé, donc et ça c'est là où c'est par là où on arrive, donc non concrètement non c'est bien dans la grande pièce où il y a du rouge partout là qu'il faut aller. Bon, qu'est-ce que tu fais de beau du coup, Bonnie? Qu'est-ce que tu fais de beau? Ça doit être, tu dois être en mode un peu de chill là, si tu peux avoir une vidéo comme ça qui tourne tranquillement. Donc la salle de surveillance est au-dessus. Le bleu, c'est exploration terminée. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui traîne. Attends, c'est quoi ça? Levier de monte charge. C'est vers là où on est arrivé. C'est-à-dire que dans ce grand truc-là, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on a loupé. Mais normalement, il devrait apparaître. That's the question. Choix, j'ai l'impression qu'il va falloir explorer quelque chose qu'on n'a pas vu. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Bah, déjà, le mec arrive, bim, direct.
Il nous attendait au tournant. Et j'ai stressé. J'ai stressé, j'ai tiré sans réfléchir et j'ai pas capté que j'avais le lance-patate dans les mains. Voilà, les vieux réflexes de merde. C'est juste parce que... chaud patate. Et ben voilà. C'est tout ce qui nous manquait. C'est juste qu'en fait, il y avait un petit hunter là qui attendait gentiment de nous voir débouler nous et notre fiacos afin de nous la mettre à l'envers. Tout simplement. Voilà, on s'en sort. On avance, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On avance. Donc on repart par là. On repart par là. Et donc la salle de fusible, le dernier fusible est en bas. Hop. Bon, c'est bon là, les monstres de dernière minute là? Hein? Ah bah tiens! Ça c'est très con. Garde le loot là-bas. Là. J'ai un peu paniqué. J'ai un peu paniqué. Allez. Madame. Voilà. Bon, on n'est pas dans la meilleure des formes. Et je suis pas sûr. Que ce soit la meilleure idée d'être venu dans cet état-là, avec potentiellement pas de munitions, ou du moins très peu. Je veux dire, il faisait forcément quelque chose de louche. Alors déjà, on fait le tour du truc. D'accord, on a... une machine à écrire pour sauvegarder. Qu'est-ce que c'est ça? Canon long pour le mag. Oh la vache! Ça va piquer ça par contre. Rapport d'activité inachevé. Alors, infiltration de RC incident. Sporadique, début de la mission, 5 agents du RPD tirent sur un groupe de 20 individus, agents tués au bout de 20 minutes. Ah ouais, ça rigole zéro. Alors on va faire comme d'hab, je vais passer, hop là. Voilà, je vais passer en mode no cam, le temps de finir mon café et de fumer ma clope, normal. Voilà, hop, je vous dis à tout de suite. Tac. Voilà, on se remet sur le jeu. Bon. Voyons voir. Le 27-09, donc le 27 septembre, à midi, test conduite à l'université. Envoi d'un groupe, dont canidés, vers le campus, 64% d'infection et de conversion en 2 heures. Aucun survivant. 23 heures. Rendez-vous établi avec le peloton de MV. Première tentative prévue à l'aube. Ils ont envoyé des chiens sur un campus. Mais c'est des bâtards. 28 septembre,
J'ai entraîné le groupe vers la porte de commande. Résultat, affrontement de nuit en zone confinée, avec un grand nombre de combattants, voire vidéo. Ah, il y a une vidéo. Fin de l'affrontement, 7 survivants. Armes biologiques inconnues déployées au point D18. Je la suis conformément aux ordres. Elle semble traquer une proie. Il doit parler certainement du Némésis, qui a ce mode de comment ça s'appelle? Qui a ce mode de traque. C'est que quand le Némésis en a après quelqu'un, il ne le lâche pas. Il ne le lâche jamais et il ne change jamais de cible en courant. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs assaillants, quoi que ce soit, il s'en fout. Lui s'en fout. C'est, il a une cible, sa cible est prioritaire quoi qu'il arrive, c'est sa mission. Ce qui fait d'ailleurs de lui justement un ennemi redoutable, puisqu'il ne vous lâchera pas quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il va vous mettre la pression. Alors, j'ai repéré deux stars, un homme infecté et une femme. L'arme biologique poursuit la femme. Bon, voilà, clairement. Alors, la femme, Jill Valentine, j'imagine, a rencontré le peloton de MV. De MV. L'apparition et le comportement de l'arme biologique font penser au projet N. J'enquête. J'ai vu l'arme biologique utiliser des armes conventionnelles. Elle semble déterminée à éliminer Jean Valentine et connaît le plan de la ville. Une preuve qu'elle peut être programmée. Métamorphose, l'arme biologique déclenchée par un combat avec Jill Valentine, voire vidéo. JV est infectée et inconsciente. J'ai prélevé des échantillons conformément aux ordres. Quoi? J'ai prélevé des échantillons? Qui a prélevé des échantillons? Plus de 17 heures se sont écoulées depuis que JV a été exposé au virus. La transformation est lente. Comment ça, la transformation est lente? Ce qui suppose qu'elle résiste. Vaccin récupéré et administré à JV par notre ami Carlos, un soldat du peloton de MV. Ah, Mikalay. Ou Mihai. Ça dépend comment vous voulez le prononcer. JV devait être prête à combattre dans une vingtaine d'heures. Il semble évident que l'arme biologique est celle du projet N. Chaque contact avec JV l'a fait évoluer. Je vais provoquer d'autres rencontres pour obtenir des données plus précises. Et les vidéos, on veut voir les vidéos, nous? Et les vidéos. Ah! On va les vidéos. On va les vidéos. J'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ils annuleront la frappe si. Et c'est un putain de si. On arrive à leur livrer le vaccin. Avant le lancement. On a combien de temps? Quelques heures, au plus. Mais ils vont vous la mettre à l'envers, c'est un piège. Obtenir le vaccin. Donc il faut suivre Tyrell. Déjà. On va faire un truc. Parce que dans l'état où on est, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Alors, hop. Déjà. Hop. Déposer. Est-ce que. Alors, explosif 1, machin 1. Donc, on a ça. Donc, je vais le prendre. Ça combiné avec ça. Ouf! Ça va envoyer du lourd, ça. Ça va envoyer du lourd, c'est sûr et certain. Donc, non, il est plein. On va prendre. Hop. Ah, non. Bah, on va pas prendre ça du coup. Déposer. Hop. Voilà, on va prendre ça. On le chargera directement là-dedans. Ok.
Hop. Alors, tac. On recharge. Voilà, ça libère un slot. Ok, ok, ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il nous restera donc deux slots de dispo. En espérant que ça fasse le taf. On va faire ça. Ça nous libère un auto-slot. Ok, on est en pleine forme. On y va. Le vaccin devrait être par là. Devrait ? Devrait. Lui, je donne pas cher de sa peau. On peut pas courir ? Il va lui arriver un truc. On peut pas courir, il va lui arriver un truc. T'es sûr que tu veux pas rester là ? Pourquoi le faire ? Je viens avec toi. D'accord. Tu vas mourir. T'es en train de te transformer, t'es en train de canner là. Oui. Ah, tu veux que je passe peut-être ? J'en étais sûr. J'espère que vous avez pas compté, décompté les munitions de mon. On y est presque. Même pas une petite grenade. Non, on va me crever. Oh là là, oh là là. On a eu chaud à notre petit boule. Bon, Laura Clica a parlé. Quand je vous disais que l'autre, il allait pas faire long feu, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace. Ah voilà, petite douche. C'est très très bien fait quand même. C'est très bien fait. On nous sèche peut-être là ? Non. Même pas un petit séchage. Ah ben voilà. C'est quoi ça? Ok. Il y a un escalier. C'est quoi ça? D'accord. Ok. Faut pas interagir avec ça. Avec ça non plus. Ah, il y a un document. Règlement intérieur du Nest. Les objectifs de ce centre de recherche sur le virus T diffèrent de ceux du centre Nest principal d'Umbrella. Ici, nous nous concentrons sur le cas d'utilisation en situation réelle découlant de la création et de l'introduction de nouvelles armes biologiques, ce qui inclut la nécessité de vaccins contre le virus T, ou encore le développement de nouvelles armes capables d'éliminer les armes biologiques. Certains aspects de notre travail ici comportent des risques. Il est donc impératif que tous les employés respectent scrupuleusement les règles intérieures. La présence de visiteurs non autorisés ou encore le retrait de données internes ou matérielles seront sanctionnés par des mesures disciplinaires sévères. La mort. Les connaissances, c'est ça. C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche au monde. Gardez ceci à l'esprit et suivez les règles afin que nous puissions continuer à donner naissance à de nouvelles technologies révolutionnaires en toute sérénité. Les mecs, vous êtes peut-être un peu plantés. Plan du Nest. Ah, ça a l'air d'être grand quand même. Je sens que la salle des machines, c'est là où on va se foutre sur la gueule. C'est gros comme une baraque. Alors, ça, qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire? Normalement, on en a. Poudre noire. Ok. Euh...
Hop. 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 Déposer. Au cas où, je prends un spray. Je sais pas ce qui nous attend, donc on va faire une petite sauvegarde. Voilà. S'il y a une sauvegarde, c'est qu'il va y avoir de l'action. Surtout quand on a des munitions et des choses qui arrivent comme ça. Donc, allez, on va par là. Oula. Oula là. D'accord. Oh, c'est chaud. Waouh. Alors attends. Toi, t'es cané ou tu le fais exprès? Qu'est-ce que j'entends? J'ai l'impression d'entendre des petites griffes sur le sol. Confinement partiel activé en raison de situation d'urgence. Il est demandé aux personnes. Toi tu vas nous faire une douille, toi. C'est pas vrai, mais... Ah. Journal d'Isaac Grave. La paye était bonne et les avantages aussi. Plus important encore, il m'avait promis que je pourrais contribuer au développement de technologies médicales de pointe. Pour un prof d'université, coincé dans un trou paumé, c'était une aubaine en or. Alors j'ai accepté et j'ai parlé à ma famille et nous avons déménagé ici à Raccoon City. Maintenant, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Ce labo est un repère de monstres menant des expériences barbares dans le seul but de tuer des êtres humains de manière encore plus atroce, la plus atroce qui soit. C'est un enfer, il faut que le monde le sache. Mais à chaque fois que je songe à sonner l'alarme, je pense à Penny et à Cassie. Et je me dis que ce ne sera certainement pas une bonne idée. Umbrella contrôle cette ville, je me souviens de ce type qu'ils ont pris en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles sur la boîte. Ils l'ont carrément donné aux pâtures, aux bêta. J'ai vu toute la scène. Je ne peux pas risquer la vie de ma femme et de ma fille, il faut juste que je fasse mon boulot, que je fasse ce que l'on me dit pour elle, mais je veux que ceci soit une preuve que j'ai une conscience et que cela m'a servi de leçon. Ouais, sauf que ça peut être un petit peu tard. Bon, donc c'était juste pour récupérer une note. Ok, là on peut pas y aller. D'accord, c'est bizarre que les autres ne se soient pas levés. Ou alors est-ce que c'est parce qu'ils veulent me coller une douille? Là tu te lèves pas? Non, bah écoute, tant mieux, fais dodo. Ouais, c'est préférable. C'est préférable, il y a du sang partout. Il y en a un là-bas, il va se lever, c'est obligé. Ça sent le traquenard, ça sent le traquenard. Rien à récupérer sur lui non plus, pas de notes. Est-ce qu'il y a des choses là? Non. Ok. Ah. Quoi c'est ça? Pour démarrer la synthèse du vaccin, placez les substances dans le compartiment.
les substances dans le compartiment. Bon, bah, pour le coup, non. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous accueillons le professeur, le seul, le vrai, l'unique, le professeur de l'amour, le professeur du gaming, monsieur Lasolus. Eh bien, monsieur Tournesol, évidemment. Coucou, Ika. Je rentre du boulot, Ika Life tranquille, lol. Bon, allez, je vais me laver et après... moment sacré de l'apéro. Oh là 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 là, monsieur. Monsieur se met à l'apéro. Eh bien, écoute, santé, évidemment, à boire avec modération. Mais bois un coup à ma santé. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Ça y est, c'est le week-end. En tout cas, le plaisir de te voir débouler sur le live après ta journée de travail. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et comme tu l'auras remarqué, oui, on est sur Resident Evil. Et on a bien, bien avancé. Malgré quelques jumpscares dans l'hôpital hein, et quelques frayeurs, on est donc dans les sous-sols et dans le labo. Santé, bah oui, santé à toi aussi. Des top à bisous, comme dirait l'autre. Alors, voyons voir. Donc, on va devoir récupérer des substances. D'accord, bon. Eh ben, on va faire ça. On va faire ça. Mais avant, je vais remettre évidemment la webcam, puisque j'ai fini ma clope. Donc, normal, on remet la webcam. Il va vraiment falloir que je trouve le moyen de mettre directement la touche sur le Stream Deck. Ce serait beaucoup plus sympa, je trouve. D'ailleurs, sachez-le, je vais retravailler. Oui, j'ai vu pour le 4h44 et 44 minutes et 44 secondes. Incroyable, incroyable. Je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment. Donc, les chiffres miroirs. Voilà, on a un live de Resident Evil qui dure 4h, 44 minutes, 44 secondes. Et ça aurait été fou, 44 centièmes. Alors là, comme ça. Donc, la chaîne hein, va subir quelques modifications. Et je peaufine encore un peu le Discord. Pour l'instant, c'est vraiment une version bêta. Mais j'aimerais pouvoir vous proposer justement non seulement un espace à l'écrit, aussi pour vous, avec vous pourrez trouver toutes les informations basiques, les réseaux sociaux, les photos, les annonces en ce qui concerne la chaîne, avec forcément bah, les événements hein, tels que le Game Stream Heroes, je vous le rappelle, du 26 au 29 octobre en direct à Lyon, hein, diffusé sur Twitch et sur YouTube au profit de l'association Petit Prince, un marathon gaming important, il est annuel chaque année depuis maintenant 2020. On œuvre pour l'association Petit Prince et grâce à votre générosité, pendant 73 heures, on lève des dons pour réaliser les rêves des enfants malades. C'est important, ne ratez pas surtout ce rendez-vous. Ça se passera sur cette chaîne, mais également sur la chaîne Twitch du GameStream Heroes. Donc sur le Discord, vous retrouverez toutes les informations. On vous fera une petite description, hein, évidemment, avec les règles en vigueur hein, sur un Discord. La bienveillance, le respect, mais aussi ce que je vais pouvoir aussi vous proposer. Et si ça vous fait plaisir, eh bien, vous aurez votre propre espace vocal. C'est-à-dire que vous pourrez aller vous retrouver dans un espace où vous pourrez discuter entre vous tranquillement. Et on aura aussi un événement par mois. Donc, une fois par mois, on se retrouvera tous ensemble, si vous le souhaitez, eh bien, pour jouer soit à un petit jeu, soit simplement pour passer une soirée ensemble, une soirée communautaire à discuter. Voilà, on fera un petit live et on discutera toutes et tous ensemble. Il y aura des soirées thématiques, hein, ça pourra être sur la pop culture, ça pourra être sur les jeux vidéo, sur les mangas, sur les films, etc. etc. Donc je travaille, c'est un petit peu long parce que je ne suis pas forcément très très bon pour monter des Discord, des trucs comme ça, ceci, cela. Ça sera du basique, mais on le peaufinera au fur et à mesure. Voilà ce qui vous attend. Bon, il va falloir trouver des substances, mais il va falloir aussi faire de la place. Faire ça moi-même ? Bon, on va retrouver comment ? Mais Jill, tu as déjà fait, t'as déjà fait des trucs comme ça. Hein. Article sur la synthèse des vaccins. Le rôle des antigènes et des adjuvants dans la synthèse des vaccins. Docteur Nathaniel Bard, feu. Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables. L'antigène et l'adjuvant. L'antigène produit une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant, ce qui mène à une production accrue d'anticorps. En combinant les deux éléments, il est possible de créer une base de vaccins. En traitant cette base de vaccins avec notre équipement propriétaire
une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. De plus, mes derniers échantillons antigènes et adjuvants montrent des taux de production d'anticorps exceptionnels, avec un rendement 1000 fois supérieur à ce que peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles. Ceci fait non seulement un vaccin efficace, mais également un moyen potentiel d'éliminer les infections existantes. Ok, d'accord. Donc antigène et adjuvant. Ah, j'imagine que je vais pas pouvoir vous poser des questions. Alors, ok, on a un truc là. Vous faites dodo? Apparemment, ils font dodo. Pour le moment. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh les cons. C'est une fabrique de Némésis ou ça se passe comment? Alors. Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Clé de déverrouillage retirée. Clé USB. Ok. On a une clé USB. D'accord, il va falloir poser des objets là. On a trop de trucs sur nous. Et j'imagine qu'il va falloir qu'on récupère certaines choses. Alors, là, on n'a rien pour bouger. Est-ce que par hasard... Non. Forcément. Ika, ne sois pas con. Il n'y avait pas un coffre ici ? Non, c'est pas ici. D'accord. Les agents ne sont pas là. Je sens que quand on va sortir d'ici, ça va être la fête à Neneu. Ah, super, nous dit Tournesol. Ok. Toi, t'as rien sur toi, donc bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut... utilisé par là. Non, on peut pas. Vous, vous êtes cané, donc normalement, vous ne vous relèverez pas. Ça me fait penser à la voix du Nostromo dans Alien. Allez, on descend. On essaiera de libérer des slots. Alors, on fait gaffe. Tu fais dodo, toi? Oui, tu fais dodo. Ok. D'accord, ça a fait littéralement sauter là. Oh, putain. Ah! Non, tu touches pas. Tu touches pas. Et toi là-bas, là, tu crois que je t'ai pas vu en dessous là? Toi, tu dors ou... Oh putain, eux, ils sont galères. Non, 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 j'ai fait une esquive. J'ai fait une esquive, normalement ça passe. Ah, ils font tellement mal. Oh, il y en a partout. Et ils sont extrêmement résistants en plus, ces enfoirés. Donc normalement t'es mort toi. Hein. Charge. Allez, allez, allez. Non, non, non. Toi, tu fais dodo. Non, non,
non, non, non, non. Tu dors. Tu es fatigué. Tu as besoin de dormir. T'as besoin de dormir, on t'a dit. Voilà. Dormir, c'est important. Plante verte. Ouh là là. On va attendre avant de fusionner les plantes. Ok, des cartouches. C'est une bonne nouvelle. Ok, ça c'est quoi? Ah, on peut pas. Tant pis. Il va falloir aussi trouver un coffre assez rapidement. Donc on a une porte ici. Toi, tu fais semblant. Dernier message d'un scientifique. Oulala. Le scénario catastrophe s'est produit. En même temps, les gars, vu ce que vous faites, faut pas être étonné. Pour une raison que j'ignore, le virus T s'est échappé. Le docteur Brad m'a ordonné de fabriquer le vaccin en grande quantité. J'ai préparé une culture de l'antigène du virus T et il ne me reste plus qu'à combiner cela avec un adjuvant pour en améliorer les effets. Je devrais pouvoir produire une quantité suffisante de vaccins pour sauver les survivants de cette ville. Les échantillons adjuvants sont stockés dans le labo d'incubation. Les cobayes errent déjà dans les couloirs. Mais il va falloir que je trouve un moyen de mettre la main sur les échantillons pendant que cette culture mûrit. Si je n'y parviens pas, complétez le processus de synthèse. Trouvez un moyen d'arrêter cette épidémie après avoir déclenché ces événements horribles. C'est le moindre qu'on puisse faire. D'accord, tu es mort ou... T'es mort, d'accord. Ah, la boulette, il y a une plante rouge ici, d'accord. Ok. Toi, tu es mort ? Ça sent la blague. Ça sent la blagounette. Allez, on descend. La grosse tache de sang par terre, là, comme ça, là. Ouh, ça sent la douille. On va regarder s'il n'y a rien. Non, il n'y a rien ici. Ah, il y a une caisse de l'autre côté. Bah oui, bah forcément. Désolé, monsieur, mais... Alors... D'accord, ta veste est possédée, monsieur. Désolé. Alors. Ok. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un spray. D'accord. Je n'ai jamais eu autant de soins de toute ma vie dans un Resident Evil. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. D'accord, c'était pour la porte. Mais ça va libérer quoi? Ou qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cette porte? Est-ce que c'est du coup la grande salle qu'on a vue tout à l'heure? Oh putain. À gauche, des hunters. À droite, des némésis. Bienvenue dans la salle à cauchemar. Ou peut-être des Mister X ratés. C'est des tyrans. Qu'il les fabrique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a quoi là-dedans? On sait jamais.
s'il y a autant d'armes et de munitions dans le coin, c'est que ça va chauffer. Ah mais c'est dégueu. Quoi? Ah, il y en a qui sont un peu loupés quand même. Hein. Il y en a, ils ont été démoulés trop chaud. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ils sont un peu loupés quand même. Hein. Il y en a. Par contre, les hunters, eux, ils sont parfaits. Hein. Il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Il n'y a pas de flop. Hein. Par contre, les tyrans, bon. On peut pas vraiment dire que. Ça soit un franc succès. Allez, on monte. Donc on est de l'autre côté. Monsieur. Monsieur, il fait dodo. Enfin, il fait dodo. Je sens que ça va être encore une douille qu'on va essayer de nous coller, ça, hein. À tous les coups. Dégagez. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Ah, le feu, du coup, ça marche pas mal. Toi, du coup, t'es mort ou... Ouais, ok, apparemment, ils sont morts. Donc, les espèces de... Ah. Je crois qu'on en... Pas grave, on va se débrouiller. Bonjour. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Quoi? Bah évidemment. Évidemment tu te lèves, grognasse. Allez, viens me dire bonjour. Je sais que t'en as envie. Je sais que t'en as envie. Voilà, comme ça, au moins, tu fais plus chier personne. Alors on a une note. Lettre d'inquiétude. Lettre d'inquiétude. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu inquiet. Alors, cher docteur Franklin, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à vous et à vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis, une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche et des armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran. D'accord, donc en fait... Le Némésis, en fait, c'est un parasite dans un tyran. Ok. Pour en prendre le contrôle externe, je ne peux m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent. Le virus peut être contrôlé. Je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur Terre. En ayant un financement et des échantillons suffisants, bien entendu. Mais pouvez-vous en dire de même des parasites? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme le Plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T. Et pense qu'ils sont contrôlables. Et penser qu'ils sont contrôlables, c'est de la pure folie. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des antibiotiques sans frein, mais ici en Amérique, ce n'est pas le cas. Ceci dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie, alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au Forum de Berlin le mois prochain. En attendant, je tente de trouver des solutions médicales à ce problème que vous avez imposé. Cordialement, docteur Nathaniel Barra. D'accord. Donc il est. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, il s'appelle pas Adibou en même temps. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut utiliser ici? Alors, on a une valise. Ok.
Voilà, recharge. Mais... Ah, c'est bon. Ça nous a libéré un slot. Ok. Qu'est-ce que... Poudre noire. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de munitions. Ah. Éprouvette remplie. D'accord, donc on a... Échantillon adjuvant. Accélère le processus d'anticorps une fois combiné avec un antigène utilisé par le système de vaccin. Ok. Donc on en a 1 sur 2. Ah, la petite figurine de Megaman, lol. La musique est très très creepy. Elle me met très mal à l'aise. Donc c'est pas fini. Faites dodo vous, hein. Voilà, c'est bien quand vous dormez. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas du tout le passage retour là. Je le sens pas du tout. C'est obligé, il y a des hunters, ils vont sortir de leur enclos, enfin de leur tube. Ça ne peut que se passer ainsi, c'est Resident Evil. C'est trop facile de faire... Ah, qu'est-ce que je disais ? Incroyable, cet enculé. Ok, le feu. Ah, 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 je brûle. Ils m'ont fait flipper. Ah, j'ai plus de cartouches de pompe. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ça craint du boudin, ça. Ça craint du boudin. Attends, attends, il y avait pas un truc là que j'avais pas récupéré. Non. Ça craint de ouf. Ça craint de ouf. Entre ça... Ah, 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 ah. Qu'est-ce que c'est que je vois là? Il y a un truc là. Qui part. On a une envolée lyrique au piano là. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais. Quoi? Il y a un truc qui est rentré dans la salle. Il y a un truc qui est rentré dans la salle. Je crois que j'ai pas été voir à l'étage. Fais de l'autre, hein. Ah bah voilà! Madame, madame, ta veste bouge.
est morte ou... Apparemment. Ton pote là, il fait semblant aussi lui ou... D'accord, lui il est bien mort par contre. Alors. Hop. Alors que j'entends une porte qui s'ouvre. Gentiment derrière moi. Des notes. Demande d'autorisation d'armement. Cher Victor Emerson, ah là là, Emerson, je voudrais demander officiellement que les armes normalement réservées à l'équipe de synthèse, des armes biologiques, soient mises à la disposition de tous les employés interagissant avec l'admission et le renvoi de cobayes. Bien que ces cobayes ne représentent pas le même niveau de danger que nos armes biologiques, je pense que cette autorisation d'armement est souhaitable. Récemment, certains cobayes ont développé une nouvelle mutation, leur conférant des capacités de régénération très élevées. Notre équipe appelle les spécimens Palaid. D'accord, ok. C'est... Je vois... De régénération. T'es en train de me dire que ces espèces de saloperies là, qui ressemblent à rien, sont capables de se régénérer au bout d'un moment. Donc en gros, c'est un peu comme certains ennemis dans... Je sais plus c'était dans quel Resident Evil. Je me demande si c'était pas dans le zéro où il fallait absolument les cramer sinon ils revenaient. Peut-être dans le 1, dans le remake, dans le 1 aussi. On en voit régulièrement, mais la cause de leur apparition n'a pas encore été déterminée. La vitesse à laquelle ces palaides se régénèrent est telle qu'il est difficile d'en venir à bout à l'aide d'armes conventionnelles. Si une quelconque défaillance du système venait à se produire, notre installation, nous ne serions pas en mesure de nous défendre. C'est pourquoi j'aimerais demander à ce que des armes de grande puissance capables de maîtriser les Palaid soient fournies à tous nos employés travaillant dans l'expédition et le traitement. En cas d'urgence, nous pourrions ainsi éliminer rapidement la menace et évacuer en toute sécurité. Merci de bien vouloir considérer cette demande. Gabriel Reed, responsable de l'expédition et traitement. C'est quoi l'arme ? Allez, on a le fameux truc, on va pouvoir... Est-ce que j'ai la place ? Échantillon de l'antigène, je vais en avoir besoin pour le vaccin. Ah, on peut pas les combiner, d'accord, il faudra les mettre dans le... D'accord. Ok. Oh, la taille de ce gun, quoi, c'est n'importe quoi. Donc... Je ne vois rien d'autre. Allez, on fonce. Enfin, on fonce. Ah, d'accord, c'est juste un cul-de-sac en fait. Et voir le plan. Oui, c'est un cul-de-sac. D'accord, c'est un cul-de-sac. J'imagine que ça... Ah, ça se trouve, c'est... Putain, c'est une chaîne de montage. Garde-le l'autre, là. C'est pas monter les escaliers, t'es con? Moi aussi, ouais. Thank you.
mais il lâche jamais l'affaire. Hein. S'il fume, c'est qu'il est pas mort. Ok, il est mort. Il y a une note. Avis d'expédition. Cargaison Némésis. Oh putain! Cargaison Némésis. Itinéraire d'expédition. CDGJFKRC. Date d'envoi, le 1er septembre 98. Type d'envoi, marchandise dangereuse, classe 1. Note complémentaire. Tout transit au sein des États-Unis doit être effectué par hélicoptère. Faites extrêmement attention lors des phases de décollage et atterrissage. Des chocs trop importants risqueraient de provoquer une auto-activation. Toute la branche européenne attend avec impatience cette évolution et vos remarques concernant tout ce nouveau prototype que nous sommes heureux de vous faire essayer. Le sujet a déjà fait l'objet d'une batterie de tests, sa puissance hors du commun et sa puissance est hors du commun. Aussi, nous vous recommandons de faire preuve d'une extrême prudence lors de son utilisation. Chef de projet, Dr. Hermann Funkler. Ils sont baisés. Ils sont baisés. Donc, il faut qu'on se tire. Alors, hop, j'arrête pas d'avoir des notifs. Désolé pour cette gêne occasionnée. La porte est de l'autre côté. La porte est de l'autre côté. C'est, je suis juste en débit. Ok, donc là, il faut aller dans la salle de stérilisation. C'est quoi ça? Ah, c'est la plante rouge. Laïka, sois pas teubé, c'est de l'autre côté. Je crois que c'était ça. Allez, cours. Cours aux Z. Je crois que c'est en haut. Je crois que c'est en haut. Il me semble. Il est là le truc. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Base de vaccin. Hop. Hein. Température contrôle. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Ah, d'accord. J'étais presque. Allez! C'est bon, je suis scientifique. C'est bon, je suis scientifique. Okay. Ouh! Bah avec une couleur comme ça, on va pas le perdre. Vaccin! Tintin!
Oh, le truc, tu peux pas le paumer, quoi. Ah bah oui, je le mets dans ma poche, normal. Eh bah voilà, je m'en doutais. Ah bah oui, c'est un coup à te tuer toi-même. Aïe. Et je ne suis pas passé par le coffre pour récupérer ce qu'il me fallait. Sortir de l'installation. J'imagine par là. Alors attends, qui c'est qui m'a mis dans cet état là? D'accord, donc pour l'instant ça va. Là par contre c'est la merde. Parce que... on n'a pas ouf de munitions. On n'a pas ouf de munitions. Donc je vais devoir répondre à un petit message juste vite fait. Je vous demande évidemment toutes mes confuses. Hop, voilà. Tac. Hop là. Voilà. Je réponds à 4 hein, que vous connaissez évidemment. Voilà. Sur. Hop. Voilà. Hop. Mais confuse. Voilà. Voilà. Ok. Bon. Petit chouc de café. Oui, il en reste. Alors. C'est dommage, hein. Moi j'aurais fait sauter. Alors attends. Mettre là où il y a le plus hein. Attends, c'est quoi que j'ai mis? Ah, c'est les acides. Allez, va. Oh là là, à chaque fois il y a un gros plan sur son postérieur. Alors je sais qu'il est incroyable, mais faut peut-être pas abuser non plus. Faut peut-être pas abuser non plus quand même, on est pas là pour ça hein. C'est un live tout public, arrêtez de montrer son boule. Allez, c'est reparti pour un tour. Ah, c'est pas ça qui va le tuer, hein. Il va falloir trouver autre chose, ma chérie. Bah oui. Carlos, c'est le moment. Carlos, c'est le moment. Allez. S'il faut bouger de dos, c'est pas faut appuyer au bon moment, faut juste tourner de droite à gauche, de gauche à droite, je veux dire. J'ai l'impression que c'est ça, gauche droite, gauche droite. Pas super précis hein, le QTE. C'est bien quand même quand c'est bien lisible, hein. c'est quand même mieux. Il est pas mort, c'est pas possible. Ça va pas l'arrêter. Alors, d'accord, il va falloir. Ouh là là, il y a de quoi faire la fête là. Ouh là, il y a de quoi faire la fête. Donc il va falloir pondre. Il va falloir se charger comme une mule. Donc. Je n'ai plus de balles de fusil à pompe. Donc je dépose le fusil à pompe. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire ? Ok, hop.
Voilà. 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 On se prépare au pire, là. Hein. Je vous le dis tout de suite, on se prépare au pire. Alors, j'ai deux soins. Ça devrait aller. Je pense qu'on est pas trop mal. Je pense qu'on est pas trop mal. Alors, on va ramasser avant de sauvegarder tous les petits trucs qui traînent là. Hop. Voilà. Ça sent la bagarre, clairement. D'accord. Il y a un truc qui traîne là, on peut pas le. Hop, je pose juste une connerie. Voilà, le temps de récupérer ça. Ok, il n'y a rien d'autre. Je pense que là, je sais pas, je connais pas bien le jeu, mais je pense que concrètement, on va sur un Final Fight. Un Final Fight, pardon. Ok, on a le vaccin avec nous. Alors, ça c'est bon. Une grenade explosive. Ensuite, on a les incendiaires, les acides et les mines. Ça va. Ça me perturbe de ne pas avoir le fusil à pompe. Qu'est-ce que je n'ai pas équipé? Le petit gun, c'est bon, il est là. Dommage, on n'a pas de grenade. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de grenade, ni de... Comment ça s'appelle ni de... De flash. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu son. Bon, ça... Voilà. Bon. C'est normal, je vais pas allumer tous les projos et tout le tralala en pleine journée. Hein, donc... Niveau vie, on est bien. Hop. Ok. Hop. Ok. Hop. Ok. Ça me fait tellement bizarre de ne pas avoir le fusil à pompe. On va voir. On va voir comment ça va se goupiller. Allez. J'imagine que de toute façon là, ça va envoyer sévère. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oui, effectivement, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ok, on va faire un petit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Allez ! Ah, on est plein. Chiottes. Je me dis que j'ai assez d'armes. Peut-être pas. On va voir, hein, on va voir. De toute façon, on a fait une sauvegarde juste avant. Toujours aller au bout du couloir. J'avais peut-être un truc qui traîne. Comme ça qu'on passe une porte, monsieur. Oh, ouais, normalement. Mais qu'avons-nous ici? Mais c'est sérieux. La ville a besoin de son vaccin. Plus que moi. Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. Oui, je sais, pour toi, la vie, ça n'a pas de prix. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Que
Ils ont un marché. Descends là-dedans. Affronte le Némésis. Et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Assure le spectacle et... j'aurai peut-être pas besoin du vaccin. Deal ? Bien. Lui, c'est un vrai psychopathe. Hein. C'est un vrai psychopathe. Il a son petit charisme. Voilà. Pousse. Pousse, copain. Pousse. D'accord, il va falloir découvrir un peu le pattern aussi du bonhomme là. Alors j'imagine qu'il va y avoir plusieurs phases de combat. Aïe, j'ai mal. Tranquille. Kill, c'est toi ? Carlos ? Attends. Laisse-moi te guider. Bonne idée. Laisse-moi te guider ? Comment ça ? What the fuck ? Ça laisse-moi te guider. J'ai pas compris. Attention, t'as de la compagnie. Alors, attends. Voilà. Non. Allez, bien joué. Mais qu'est-ce que tu fous là, eux? Que je me débarrasse de ces emmerdeurs là. Non ? Il s'est bloqué derrière le trait. Bah ça a pété, non ? Ah non, c'est d'accord. Je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Bon bah, si t'as dégommé le zombie, franchement, c'est trop sympa de ta part. Ah, moi, je m'attendais pas à ce que tu fasses un bisou comme... Oh la vache! D'accord, c'est juste... Le temps évidemment de découvrir, hein, on découvre le combat. Oh, il a pas aimé. Oh, il a pas aimé. Il a pas aimé. Oh, merde. J'aimerais tellement avoir le fusil à pompe. Parce que les zonzons là, ils sont casse-couilles. Voilà donc.
Ouais, mais là, ça marche pas, ça. Tiens bon. Mais j'ai plus de soins sur moi. Faut aller voir dans son caca, je crois. En voilà d'autres. Il s'est planqué derrière le cercle. Ouais. Faut énerver. Obligé. Bon, on connaît le pattern, ça devrait aller plus vite maintenant. Ce qui est un petit peu, ce qui m'a un peu surpris, j'avoue, c'est que c'est un peu la comment on amène le fight. Je m'attendais à ce que ça fasse un petit peu comme dans la première confrontation où on le voit donc sous cette apparence où il se déplace à quatre pattes, où il fallait mettre peut-être potentiellement les mines. Bon, c'est pas comme ça que ça se goupille. En tout cas. Allez, le deuxième run, ça devrait aller. On va au cas où quand même prendre plus de soins. Allez, on va faire continuer. Voilà, Nemesis est extrêmement rapide et tentera parfois de se cacher derrière tonton tata. Alors, hop. Ok. Réfléchis. Est-ce qu'on peut déposer le virus? J'imagine que non. Non, on peut pas, évidemment, parce que c'est scripté. Ça va être chaud. Fait chier que je puisse pas prendre le fusil à pompe, mais bon. Allez, on va la tenter comme ça, on y va. Hop. Consigne du centre d'élimination. Ce centre a pour but de... La dissolution et l'élimination des cobayes ayant servi à des cadres des expériences du Nest 2. Grâce au puissant solvant utilisé, toute manière biologique présente dans la cuve sera complètement dissoute et prête à être éliminée. Merci de suivre toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation de ce centre d'élimination. Assurez-vous que les employés ne se trouvent pas dans l'enceinte lorsque vous démarrez le processus de dissolution. Assurez-vous d'utiliser la quantité réglementaire de solvant, peu importe le volume ou la masse à éliminer. Même si un cobaye se comporte violemment, n'interrompez pas le processus d'élimination. Laissez l'enceinte se remplir pendant au moins 12 heures, puis vérifiez que la dissolution est achevée avant de procéder au drainage. Ok. Alors,
Donc, déjà, on laisse les explosives. On laisse les explosives. Ok, on va essayer de le dribbler. On va essayer de le dribbler. On sait qu'il faut juste tirer donc dans les trucs rouges. Mais il faudra faire gaffe parce qu'il y a en même temps les petits zonzons. Donc on va essayer d'utiliser... je pense que le Desert Eagle, enfin le gros revolver, c'est le plus puissant. Et on va essayer d'alterner à chaque fois. Mais la badassitude de ce... Je le trouve nettement plus badass que Mr. X. Je suis désolé si on fait une comparaison. Le Mr. X, vers la fin, son apparence est ridicule. Vraiment. Là, on a un ennemi qui pète la classe quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Les conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta tête. Oui, je sais. Allez, il faut qu'on y arrive parce que à 20h. J'ai mon émission sur la chaîne Twitch du Game Stream Heroes, hein, Indica Show. Et on sera sur Island Deep. Donc ça serait bien, je sais pas si c'est le combat final, hein, j'en ai aucune idée. J'aurais peut-être pas besoin du vaccin. Deal ? Bien. Allez, dégage. Deal ? Deal ? Allez, Foucan. Hey, coucou mon copain. Ok, donc on saura qu'il y a du soin. Mais non, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette arme de merde? C'est censé être une arme automatique. Oh putain, mais... Ah, ça commence bien, ça. Ça commence bien. Inga, tu joues avec le feu là. Tu joues littéralement avec le feu. Gilles, c'est toi ? Carlos ? Ok, phase 1, ok. Il va se mettre à courir partout.
Ah oh, d'accord, il m'a même pas calculé quoi. J'espère que t'as apprécié. Ah mais putain de zombie de merde! Je me suis trop occupé de ce putain de zombie à la con là. Débarrasse de ces cons de zombies là. Ouais, il est en mode énervé là. Et la caméra, s'il te plaît. Voilà d'autres. Derrière toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé? Un soin. Ok, tac, tac, tac. Ça devrait être bon. Ah, j'avais pas capté qu'il allait me sauter sur la gueule. T'arrives au bon moment. Il est pas mort. Oh là 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 là. Mais bon, t'as un désert qui gueule. Oh la mâchoire. J'espère que tu vas bien ma petite cat. Bienvenue à toi évidemment. Deux runs. Non, il y a des trucs à récupérer en bas. Il y a plein de trucs à récupérer, il y a plein de loot. D'accord, donc là la queue est en train de se remplir. Mais pour ça il aurait peut-être fallu l'immobiliser Carlos. On s'en est bien sorti. On voit qu'il est en vacances. Tout le monde est beau chez lui. Il est en live pépère. Bah oui, bah c'est la moindre des choses. J'ai envie de dire. C'est que on est en vacances, donc on en profite. On en profite un petit peu, c'est normal. Donc il faut que je récupère le vaccin. L'autre sac nous a dérobé le vaccin. Alors. On va quand même récupérer tout ce qu'on peut.
Il y avait des cartouches de fusil à pompe et on n'a même pas pu les récupérer. Je suis blasé. Je suis blasé. Alors, une petite sauvegarde. Je suis deg quand même parce qu'il y avait plein de trucs à récupérer en bas. C'est quoi ça? D'accord. Bah voilà, que demande le peuple? Alors attends. Toi. Déséquipé. Est-ce qu'on peut avoir... Attends. Voilà. Je recharge. Ok, donc là. Hop. Il est où cet enfoiré? Ah, j'imagine qu'il faut... Attends. Vaincre la créature, poursuivre Nikolai. Mais attends, mais il est parti dans quel sens, Nikolai aussi? Il est parti par où? Par là, certainement? Certainement. Allez, on y va. Ouais, là, c'est la salle où... Avec tous les loots! C'est fait! Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure! Oh non. Tu fautes l'or. Et j'aime ça. Je crois que notre partenariat est fait pour durer. Allez, jette ton flingue. Non. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? As-tu déjà vu quelque chose d'aussi incroyable? Des données là-dessus pourraient valoir des millions. Mais... Ah, je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix. Bonne chance! Nikolai! Jill! Cours après Nikolai! Il a le vaccin! Et toi alors? Écoute, on n'a plus le temps là! Je vais y arriver! J'ai pas de doute là-dessus. Ah, tu vas y arriver, tu peux... Bon, je te préviens. Cette fois, ce sera la dernière fois. Ah ouais? Bah c'est gentil. Vaincre la créature. Alors ça va être quoi le délire? D'accord. Ok. Alors il fait quoi? Il fait quoi exactement? Ah, à mon avis, il faut enclencher des trucs, non? Non, c'est... Je sais pas trop. Je vois, il y a des trucs, là. Ah. Ouverture du compartiment. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Oui, forcément. Ah, je me dis que... Il y a un pattern. On va essayer d'en finir avec lui, hein. Hop. Mais non, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Hop.
Hop, hop. Ok. Bon, ça va être Pandax. On va pas se mentir. Il me reste quoi? D'accord, allez. Si je peux utiliser les explosifs pour détruire. Alors, je pense que le combat va se dérouler peut-être en deux phases. On a ce pistolet qu'on doit recharger. Enfin, ce big fucking gun c'est qu'on fait. Doit reconstruire. Donne-moi le vaccin. Et du coup, enfin, qu'on doit recharger, pardon. Et on a vu qu'à partir du moment où on lui tire dessus, il y a ces espèces donc, de allez, tumeurs bizarres là qui apparaissent. Je pense qu'il faut les détruire pour pouvoir être tranquille et recharger le bordel. Parce qu'on a vu que quand on essaye, il nous met des patates de foin. Donc bon, on va essayer. Courage pour le poney, hein. Fais-lui un gros bisou. Bon, c'est dégueulasse. Allez, on a une demi-heure pour en terminer avec, avec ce monstre. Je pense qu'on est sur la fin du jeu. Je pense. Parce qu'en général, une phase où ils sont aussi monstrueux, aussi énormes, en général, sur les Resident Evil, c'est la fin. Et la vie, ça n'a pas de prix. Lui, c'est lui. Bonne chance. Lui, c'est un vrai psychopathe. Hein. C'est un vrai débile. Hein. Enfin, non. Il n'est pas débile, mais... Et toi, alors ? Il a son petit charisme. Il a son petit charisme, quand même. J'ai pas de doute là-dessus. Allez, let's go. Bon, je te préviens. Cette fois, ce sera la dernière fois. Alors, on regarde s'il y a des trucs à récupérer. Ben oui, évidemment qu'il y a des trucs. Donc, on fait gaffe aux patates de forain. D'accord, il crache les saloperies. Bah évidemment que ça va le faire. Big fucking gun. Tiens, là le premier cachou. Heureusement qu'il faut pas toutes les recharger, les cellules. D'accord. Donc c'est là qu'il va falloir passer au mode on détruit les petits trucs autour de lui. En faisant attention quand il, parce qu'il va nous cracher des saloperies et mettre des patates de forain. Recharge, recharge. Ah, oh, il pue de la gueule. Oh, tu rigoles ou quoi, toi? C'est pas le bon côté, Ika, tu t'es trompé. À côté de lui, c'est dégueulasse. Donc deux sources d'alimentation, ça veut dire qu'en en gros, il faut trois shots, quoi. Une source d'alimentation à activer. D'accord. On recommence. Vas-y, je te mettrai à terre autant de fois qu'il le faudra. C'est reparti. C'est peut-être pas forcément le truc le plus ouf.
D'accord. On va utiliser ça. Aïe. C'est bon. Allez, go, 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 go. Je sais pas en combien de phases ça va se faire. Tu fais le malin ? Tu fais le malin ? Allez ! Fais-moi ton plus gros sourire, enculé. Reprendre le vaccin. Alors, où est-ce qu'il est passé l'autre enfoiré ? Non, j'imagine que c'est pas par là qu'il faut aller. Par là ? Par où il faut aller ? Si, c'est par là ? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de remonter. C'est par là. Ben non. Par où on remonte? Ah. Pff, intense, intense la fin du jeu. Alors au cas où pour bien le punir l'autre. The gun. Ah, ça rappelle énormément Resident Evil 2 remake. Hein. La structure du tout au moins. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à récupérer avant? Un petit secret caché? Non. Let's go. Ça rappelle, mais tellement, tellement le hype. Elixir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le seul devant l'unique. Comment ça va, mon Elixir? J'espère que tu vas bien. On est sur la fin de Resident Evil 3 Remake. Et j'ai passé un bon moment. Hein. J'ai passé, pour l'instant, c'est pas fini encore. Mais malgré les souvenirs que j'avais du. Les très faibles souvenirs que j'avais de Resident Evil 3. M'arrêtera pas. Ce remake est j'étais promis plutôt ça. Agréable. Ouais. Non. Oh le con. Moindre idée de ce que tu viens de faire. Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile dans 10 minutes. Le missile est parti. Et je dois décoller. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Lui, c'est un vrai psychopathe. Vraiment. Il a son petit charisme. Jill ! Vas-y, tire ! Je crois pas ! Je vais te toucher ! Allez ! Il le faut ! Ne pas hésiter !
moi j'ai même pas hésité une seconde. Bon, je vais soigner le poney, je reviens. Bah, bon soin au poney. Hop, 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 hop. On fait quoi de lui? Jetez-le du toit. Jetez-le du toit. Dans les jeux d'horreur, je perds mes cheveux et toi. Là, franchement, ça va, hein, ça va. Bon. Sur les deux autres lives précédents, il y a eu quelques petits jumpscares qui m'ont bien fait sursauter. Pour qui est-ce que tu travailles? Je te le dirai si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu voudras. Imbécile! Imbécile! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité! J'ai rien contre une petite enquête. Hors du champ de l'explosion. Ah si, quand même. Ah, ils s'en sortent bien. Elle est mignonne. Oh bah oui, évidemment. Ok, je m'en fous. J'ai cru entendre. Enfin terminé. Oh cul, je m'en fous. Elle est mignonne. Ah, on l'a vu quelques fois son postérieur, hein, puis en gros plan, hein, tu peux y aller. Hein. Bon, j'avoue, c'était pas le moment le plus désagréable du live. Je suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Bah t'as pas bien fait ton taf, hein. Une bonne fois pour toutes. Parce que bon, il y a quand même quelques autres Resident Evil juste après. Eh bien, un petit moment plutôt sympa, 3 lives au total. Ce que je retiendrai du jeu, ma foi. Alors, on va regarder si on a... voilà. Bah, petite cinématique, c'était obligé. Hein, c'est... Bon, après tout, hein, on n'est pas là non plus pour faire du speedrun ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Ce que je retiendrai de ce Resident Evil 3 remake, malgré le fait qu'il ne soit pas forcément le plus aimé des Resident Evil, c'est un remake qui, pour moi, si vous avez jamais fait le 3, ça reste un Resident Evil où il y a beaucoup moins d'énigmes et beaucoup plus d'action. Le gameplay est un petit peu dépoussiéré, même s'il n'est pas forcément hyper précis et que des fois, on a tendance à faire des trucs et que... Ça se passe pas forcément comme on le voudrait, surtout avec les esquives. Bon, il y a quand même une volonté d'essayer d'améliorer les choses, autre que le graphisme, autre que le son, parce que le jeu vous propose justement de pouvoir mettre le son en 3D, ce qui est une expérience à part entière. Et puis, forcément, le chara-design retravaillé des personnages, c'est un plus qui n'est pas désagréable. J'aurais passé un bon moment dessus. Comme par hasard, je viens à la fin. Mais attention, Elixir, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que, on va se retrouver d'ici à peu près un quart d'heure, puisque
20h, vous le savez, à 20h, il y a l'émission The Indica Show sur la chaîne du GameStream Heroes, la chaîne Twitch, avec eh bien, cette aventure qu'on va poursuivre sur Hidden Deep, un jeu horrifique qui vous emmène un petit peu dans cette aventure hein, des films de science-fiction des années 80-90 comme The Thing, comme par exemple Alien ou d'autres films du même genre. On va poursuivre cette aventure sur la chaîne Twitch, mais bon là on concrétise hein, et on termine ce dernier volet avec la fin de ce jeu plutôt sympa, même si c'est vrai que les punchlines de Jill à la fin, bon, ça fait un peu kitschou. Ok, je viendrai sur Twitch alors. Bah écoute, avec plaisir, mon Elixir. Vous êtes évidemment toutes et tous les bienvenus sur la chaîne Twitch du GameStream Heroes. Je vous le rappelle, le GameStream Heroes, événement caritatif qui aura lieu du 26 au 29 octobre en direct sur Twitch et aussi sur YouTube, sur cette modeste petite chaîne, pendant 73 heures, un marathon de gaming au profit de l'association Petit Prince afin de collecter un maximum de dons pour réaliser les rêves des enfants malades atteints de cancer, de leucémie et de maladies génétiques. C'est important de se mobiliser une fois par an. On fait ça maintenant depuis 2020. L'année dernière, on avait fait avec 20 streamers de moins, eh bien, quasiment la même chose, puisque l'édition précédente, on avait fait 21 126, je crois. Et cette année, eh bien, avec 20 streamers de moins, on a quand même réussi à faire 20 108 euros, ce qui est plutôt pas mal. Donc on espère évidemment de tout cœur battre ce record et voilà, et faire encore mieux pour réaliser encore plus de rêves pour les enfants, sachant que chaque don, hein, eh bien, à hauteur de 20 euros, vous pouvez défiscaliser. Donc faites-vous plaisir, vous paierez moins d'impôts cette année. Voilà, alors des gros bisous à vous, merci comme d'habitude à la modération d'avoir été présente, merci pour leur présence, merci aussi au chat comme d'habitude, hein, les petits chatons, comme je le disais tout à l'heure aussi, j'essaye de finaliser ce fameux Discord, il y a encore pas mal de boulot à faire, mais je vous tiendrai au courant, évidemment je le mettrai à votre disposition, comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez venir non seulement échanger, discuter avec nous, partagez vos passions, partagez vos photos, vos screenshots de jeux, les jeux que vous aimez. Également, vous aurez toutes les infos sur les lives, sur les réseaux sociaux. Mais on vous fera également eh bien, un petit log rien qu'à vous. C'est-à-dire que vous aurez un log vocal où vous pourrez, eh bien, si vous avez envie, vous y retrouver et discuter entre vous pendant les lives, tout simplement. Et puis, on fera un petit truc ensemble chaque mois où on se retrouvera toutes et tous ensemble pour discuter, que ce soit sur des films, sur des mangas, sur des jeux vidéo, et passer une petite soirée pour, pourquoi pas, jouer à des petits jeux comme le Loup-Garou ou alors faire des petits des Fall Guys, des trucs comme ça. Donc c'est ce qui est prévu au programme avec ce petit Discord communautaire. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve eh bien, à 20h sur la chaîne Twitch du GameStream Heroes. Vous connaissez la fin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi ce live. N'oubliez pas, c'est que du jeu, amusez-vous bien. On se retrouve pour un prochain live très rapidement. Ciao, c'était Ika.